De retour sur le plateau d'In The Boîte pour cette spéciale Halloween avec deux familles qui donnent tout depuis le début de l'émission. Deux familles aux aguets, regardez-les. Ils sont comme des ogres, ils sont comme des Dracula, comme des vampires, prêts à dégainer pour marquer des points. Messieurs, vous étiez magnifiques en poule, je tiens à le dire. C'est gentil. Maintenant, je vous propose un tout autre défi, nouveau challenge. Alors oui, c'est Halloween. C'est Halloween, c'est la fête des mutants, c'est la fête des sorcières. Eh ben, on a décidé de tout casser avec l'esprit de la boîte. On a invité sur le plateau une véritable fée. Une fée parce qu'elle chante divinement bien et que quand elle chante, toutes les sorcières se taisent. C'est Margot Avril. Vous la connaissez? Vous l'adorez? On l'adore! Mais où est Margot? C'est pas un beau cadeau, ça? C'est mon cadeau d'Halloween. Sauf que vous le savez, rien n'est jamais gratuit sur In The Boîte. Ah bah oui. Si Margot Avril a fait le déplacement pour vous, c'est pour marquer des points. Vous allez écouter son nouveau titre, Lunatique. Regardez tout. Soyez extrêmement concentrés et écoutez bien. Car à la fin, je vous poserai une seule question pour 200 points. Vous êtes prêts? Prêt. Prêt. Alors là, je suis trop content, je fais... Ah, attends. Je vous prie d'applaudir, mesdames et messieurs, Margot Avril. Pas l'appui contre mon visage, c'est l'orage qui gronde au loin, t'étais mon sang de passage. Fige le temps, arrête mes sentiments, mes émotions font face alors à tes éléments. À quoi me sert ton visage d'ange? Je t'écris ce que mon cœur dit, saisi par l'ennui. Je t'aime le jour.
Ah bah oui. Non mais merci beaucoup Margot d'être venue sur le plateau. Bah non, c'est un plaisir. Es donc notre princesse pour Halloween et ça fait du bien de t'avoir ici. Avec plaisir. Vraiment. Merci. Très belle chanson. Alors, j'ai vu beaucoup d'étincelles dans vos yeux. Je vous ai vu même danser et chanter les candidats. Maintenant, est-ce que vous avez été vigilant et attentif? On va le voir tout de suite. Margot, tu vas m'aider à poser la question d'ailleurs. C'est toi qui vas la poser. Lequel de ces mots figure dans la chanson Lunatique que je viens de chanter? Est-ce que c'est casque? Est-ce que c'est vasque? Ou est-ce que c'est masque? C'est au buzzer. C'est masque. On valide? Et c'est une bonne réponse. Oui. On valide. Ouais. Et c'est une bonne réponse, exactement. Bravo. Bien joué, bravo, 200 bravo. Points supplémentaires, j'y crois pas. Non mais il était attentif en fait, hein. Il a tout... J'en connais par cœur. Ah bah oui, bah ça se voit. Esprit de la boîte. Les TBK sont en train de noyer les poissons en égalisant 700 points partout. Bien joué, égalité pour cette spéciale Halloween, on pouvait pas rêver mieux, franchement, beau match. Bravo. Margot, l'album instantané toujours disponible? Oui, toujours. Si on veut savoir si tu passes en concert à côté de chez nous, on fait comment? Faut aller sur margotavril.com. Margotavril.com, merci beaucoup. Merci Margot, à vous. D'être venue. Bravo. À bientôt, Margot. Tu reviens quand tu veux, Margot. Elle, là, Margot, elle. C'était un joli moment, hein. C'était bien mieux que les poules. Ouais. C'était beaucoup mieux que les poules. Ouais, moi je trouve. Vous en pensez quoi? 10 fois mieux. 10 fois mieux, hein. Bon, alors maintenant, on se reconcentre, on se remet de nos émotions. C'est parti pour le quiz des enfants.